DJ, put a nigga back to the record, baby, and give me the list right now. C'est Bangoudin Royan, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, une vraie vidéo sur Minecraft. Donc là, ce qu'on va faire cette vidéo-là, c'est d'une duplication que je vais vous montrer, que je vais comment faire pour faire un petit tuto de ma chaîne YouTube. Après, ensuite, on verra ce qui va nous amener l'avenir du jeu. Bon, en tout cas, pour commencer, voici derrière moi un petit portail qui est juste là, ici derrière moi, là, et un petit coffre. Donc, si vous avez en survie un petit portail, tu vois, et tout, et si vous avez ça, ben, fabriquez un des coffres. Je vais vous expliquer un des étapes de plus duplication, le plus facile. Donc, pour toute la première fois, ce que vous devez faire, c'est de mettre votre jeu en anglais. Mais ne faites pas dans le... Donc, vous pouvez pas faire dans le monde là que vous êtes. Vous êtes obligé de quitter, d'aller dans le paramètre et dans le langage et de mettre English US. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, vous allez comprendre pendant la vidéo que vous allez voir. Donc c'est parti pour commencer le petit tuto. Donc pour le tout première fois, si vous avez, je sais pas moi, un petit truc, un petit truc qui vous aide plus envie de dupliquer, je sais pas, comme par exemple ça, du diamant, des cristals, des pioches en diamants et de la netherite. Bon, on va pas avoir plus, on a juste besoin d'un petit truc que vous puissiez comprendre comment ça marche le duplication quand vous êtes dans votre survie. Donc une fois que vous avez tous ces éléments, donc je vais mettre en game mode, hein, je vais mettre en game mode en survie, hein, pour être exactement comme vous, comme ça là vous allez comprendre. Ok, une fois que vous avez tout le stuff que vous avez là dans votre inventaire, vous allez faire save et quitter pour faire copier le monde. Et c'est pour ça que je vous ai dit, enfin c'est pour ça que je vous prévenir que de mettre en votre jeu en anglais, parce que si vous mettez en français, si vous copiez votre monde en français, ça va bugger et ça va faire crash votre jeu PS4. Donc du coup là vous allez dans votre monde là à côté, ce que j'ai fait, vous allez faire copy world. Et après ensuite là normalement ça marche bien, ça fait copier le monde. Et ensuite, une fois que vous avez copié le monde, vous allez retourner sur votre monde. Et une fois que vous êtes retourné sur votre monde, vous allez déposer tout votre coffre de votre inventaire qui est dedans. Et ensuite, vous attendez pendant 3 secondes avant d'aller au portail. Après, une fois que vous allez dans le portail, et après ensuite, vous allez pénétrer dans le portail. Et une fois que vous êtes dans le portail, vous allez fermer tout de suite l'application là que vous êtes dans le portail. Ensuite, une fois que vous êtes retourné sur votre jeu, vous allez juste repartir dans votre monde pour voir si ça marche ou pas, parce que en fait ça dépend du bon timing, ce que vous faites pendant que vous allez faire cette manip de cette vidéo là. Donc je pense que là ce que je fais là c'est peut-être le bon, parce que là je me suis beaucoup entraîné, j'ai beaucoup analysé comment ça marche. Donc du coup, si vous voyez votre stuff tout ça, et si vous avez votre coffre et vous avez dupliquer la même chose que vous avez placé la scène d'avant, donc ensuite vous prenez et après ensuite vous faites la même chose, vous quittez, vous supprimez le copy world et puis vous recopiez le monde et après ensuite vous faites ça, vous attendez 3 secondes et puis vous allez ici. Donc les gens, pour ma part, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo va vous être utile pendant de votre survie. Moi franchement ça m'aide énormément cette duplication, quand vous avez besoin d'un truc vraiment urgent, mais genre vraiment urgent pour les, je sais pas moi, des diamants, de lingots, de la netherite, bah vous pouvez vous dupliquer ce que vous voulez, franchement là il n'y a aucun craindre. Et après voilà. Donc en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, commenter et partager la vidéo. Et dites-moi en commentaire si vous voulez quoi comme vidéo, genre que si je fasse des lives, des survies avec des potes, mais franchement j'ai pas de potes. Oui, triste, c'est vrai, mais bon, je me bats les couilles, je vais en trouver un. Donc, j'espère que vous avez aimé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye les Warriors!